Bonjour tout le monde. Je sais vous pouvez vous tourner, on est over here. Over here. Oui. Mon nom est Anthony Garifalis Auger, je suis le vice-président à l'externe au syndicat des étudiants et étudiantes de Concordia, mais aussi porte-parole par intérim de ECO, étudiantes et étudiants contre les oléodiques. On va commencer avec des discours, on a des invités, puis on va terminer avec des discours dans notre destination, donc s'il vous plaît, restez avec nous. Je peux donner la parole à Patrick Bonnet de Greenpeace pour nous parler de Energy East Pipeline qu'on oppose aujourd'hui dans les rues de Montréal. Donc... Bonjour tout le monde! Wow! Hey, je suis content de vous voir! Merci! Bravo dans un premier temps! Wow! J'avais même pas vu tout le monde qui est là! Bravo! Merci! Merci! Merci aux organisateurs! Félicitations à la coalition ECO étudiante étudiants contre les oléoducs! Bravo! Vous embarquez dans le mouvement! Vous êtes en train de faire lever le Québec! De réveiller les étudiants sur la question des pipelines de sable bitumineux! Cet enjeu-là est l'enjeu de la prochaine année! Ce qui se passe au Québec, ça s'est passé aux États-Unis! Ça s'est aussi passé en Colombie-Britannique! Ils ont fait face à des projets de pipeline de sable bitumineux, nommément Keystone XL, nommément un autre pipeline Northern Gateway, et ils ont bloqué ces projets-là. Ils ont bloqué ces projets-là parce qu'ils ont compris qu'on n'a aucun intérêt dans ces projets-là, que les seuls qui ont des intérêts, c'est les compagnies pétrolières. Que ces pipelines-là vont servir à l'expansion des sables bitumineux. Quand on regarde le pipeline Energy East, ce que TransCanada nous propose, en termes de pollution, c'est l'équivalent d'ajouter 7 millions de véhicules sur les routes. Un seul projet, 7 millions de véhicules sur les routes. Il est clair qu'on a décidé de tracer une ligne. La ligne, elle est ici aujourd'hui. Ce projet-là ne passera pas. C'est pas vrai que le Québec va se faire imposer un projet qui, pendant des décennies, va contribuer à l'expansion des sables bitumineux, va menacer notre eau potable, va faire en sorte que les bélugas vont être menacés, va menacer le fleuve. Ce n'est pas le genre de projet qu'on veut. Ce n'est pas le genre de projet qu'on va accepter. Vous êtes là ici aujourd'hui. On va ramasser encore plus de monde la prochaine fois. On n'arrêtera pas. Et s'il le faut, on va se coucher devant les bulldozers. On va arrêter ce projet-là. On va être sur la ligne de front avec les Autochtones, avec les étudiants, avec les groupes environnementalistes, avec tout le Québec! Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on est contre les projets polluants, on est contre les gouvernements qui sont complices, et on est pour un Québec vert, on est pour la réduction de la consommation de pétrole, on est pour l'électrification, pour le transport en commun, pour l'aménagement urbain, mais on est contre les projets qui nous emmènent dans la mauvaise direction. Fait qu'encore une fois, bravo à vous, bravo aux organisateurs, amusez-vous aujourd'hui, marchez, ayez du plaisir et continuez la lutte, renseignez tout le monde, c'est notre devoir de bloquer ce projet-là. Pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, c'est pas ça qu'on veut, dites-le haut et fort, amusez-vous!